Bonjour à tous, nous allons parler recrutement, mais recrutement dans le secteur de la formation et au sein d'un très bel établissement, le CFA Cerfal, pour y rencontrer la directrice développement réseau, Patricia Navarro. Patricia Navarro, bonjour. Bonjour. Alors, vous renforcez vos équipes et sur quel poste et pour quel profil ? On vient de renforcer le pôle recrutement et placement avec deux personnes qui deviennent en fait les interlocuteurs privilégiés pour notre réseau. Alors, c'est pas un métier très connu, hein, celui de chargé de recrutement, on peut l'appeler comme tel au sein de votre établissement. Ça va être plutôt un chargé de sourcing, c'est une étape qui vient avant. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler quand même en deux mots l'activité du CFA Cerfal ? Bien sûr. Le CFA Cerfal, c'est un CFA historique, hein, de plus de 36 ans d'existence. Nous avons un peu plus de 150 sites de formation, 130 formations et qui couvrent en fait des niveaux du CAP au master, donc à peu près 15 secteurs d'activité différents. Apprentis. Alors, quels sont les profils que vous attendez sur les postes au sein de vos équipes ? Quel type de profil, quel type de parcours antérieur vont permettre de pouvoir au mieux intégrer vos équipes ? Alors, c'est une équipe très variée, hein, hétérogène. Donc, on a tous les âges, tous les horizons, toutes les expériences. Moi, j'essaye de mixer. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Il y en a des nouvelles personnes qui arrivent avec des envies différentes pour donner une autre dynamisme. Quels sont les enjeux du poste ? De quoi retourne-t-il en fait ? Je cherchais plutôt des jeunes ou moins jeunes, mais quelqu'un qui sache parler aux futurs apprentis, aux candidats. Donc, quelqu'un qui soit vraiment à l'écoute, savoir ce que c'est d'intégrer un parcours en apprentissage et être vraiment à l'écoute des jeunes. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution au sein du CFA dans le cadre de ces postes pour les candidats ? Bien sûr. Après, c'est un pôle qui est en train de se développer. Donc, pour l'instant, je m'appuie sur deux postes qui sont les piliers, on va dire. Un qui est autour de tout ce qui est les jeunes, donc l'accompagnement, l'écoute des jeunes, la posture, les ateliers, tous les travaux qu'on fait avec les candidats. Et l'autre pilier, ça va être plus tourné sur les entreprises, l'aide au placement. Les partenariats et tout ça. Donc, c'est on porte c'est en développement et j'espère qu'on va les renforcer des équipes. Donc, recrutement ce jour au sein du CFA Cerfal, au sein du pôle sourcing et placement. Patricia Navarro, je vous remercie énormément pour cette communication. On reviendra vous voir cette fois-ci peut-être pour s'intéresser plus en particulier aux formations que vous mettez en place en alternance dans le cadre de parcours d'apprentissage pour une prochaine fois, voire même pour un témoignage de l'un de vos apprentis. Dans l'intervalle, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.